Ben moi, quand j'entends pomme-poire, eh ben moi, je pense à la cheese. Ah, la cheese, je les adore. Martine, petit clin d'œil, petit bisou. Écoute, je vais te faire un petit kick. Sympa, classique, traditionnel. On va un peu badigeonner tout ça avec du vanille de romaine. Bon, alors, j'ai mis un peu de beurre dedans. Un beurre de ferme de chez Williams. Vous ne direz rien, c'est gras, c'est bon, mais c'est la vie. Bon, alors, la première grande étape, c'est pas compliqué. On fait une bonne brunoise, hein, pas trop petite, pas trop grosse, de notre pomme et de notre poire. On la poêle au beurre, bien sûr, et on déglace avec un tout petit peu, justement, de vanille de romaine. Mais attention, hein, pas trop cuit et encore bien croquant. Il y a encore du jus, mais c'est normal. Il va nous servir, justement, à badigeonner notre cake à la sortie. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas pensé à ça. Mais moi, j'y ai pensé. Voilà, pour vous. Bon, maintenant, on continue notre 4 quarts. Alors, très simple. Farine, sucre, œuf, beurre. Pas très compliqué. Faut mélanger le tout, elle doit faire une belle pâte. Ça ira? Ça ira? Allez, c'est parti. Le fait de badigeonner notre cake, bah, tout simplement, on va ramener encore plus de goût parce que c'est le jus de cuisson de notre pomme et poire. Faites bien attention, alors le but, c'est pas d'avoir une éponge, hein, remplie de jus. Non, c'est léger, un peu comme un baba au rhum. Enfin, quoique, il y en a beaucoup, là. Oui, mais là, c'est de l'alcool, c'est autre chose. Ouais, enfin, bref, faites comme aujourd'hui.